ma beauté. Ma beauté. Tu m'as juste appelé pour me regarder? Oui, ma fille. Juste pour voir combien tu es belle. Maintenant que je t'ai vue, ça va. Merci. Tu peux rentrer et reprendre ce que tu es en train de faire. Merci, maman. N'oublie jamais que tu es la plus belle de toutes les filles de notre communauté. Merci, maman. Et je promets d'être toujours très belle pour toi et pour notre famille. Merci, ma fille. Merci, ma beauté. Je m'en vais alors, maman. On se voit après. Hein? Oh, ma maman est très comique. Elle a dit que je suis très belle. Ma mère a dit que je suis très belle. Merci, mon Dieu. Je vais rentrer dans ce que je faisais. Voyez-moi celle-là. Obi, comment vas-tu? Je vais bien. Luffy, vous êtes très jolie. Merci. Obi, comment va Ojuku? Oh, il va bien. Il est allé à la ferme. Une fois qu'il sera de retour, dis-lui que Omaliko les salue. Mm. Oui, je le ferai. Tu es très ravissante. Oh, merci. Ok, n'oublie pas de lui passer mes salutations. Oui, ça ne manquera pas. Ojoma! 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 Oh, mes filles. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, mes filles. Comment vont vos parents? Ils vont bien, maman. Maman, où est passé Ojoma? Oh, vous cherchez Ojoma? Oui. Oh, elle est derrière la maison. Maman, j'espère au moins que tu vas bien. Les dieux nous sont favorables. Merci, maman. Merci. Ojoma! Ojoma! Maman, nous partons à la rivière puiser de l'eau. Ok, reste juste à rentrer à l'heure. Que les dieux vous protègent et vous guident. Maman, s'il te plaît, ne me manque pas beaucoup. D'accord. À mon retour, je te promets de te faire un très bon repas. C'est bon, ma fille. T'es pas sérieuse. Je crois que tu dois lui donner une chance. Ah! Écoute, nous allons bientôt nous marier, ma chérie. Et s'il arrive que vous mariez, votre enfant portera le nom de Ezi Anenu. dis-moi d'abord. Ou soit Ezi Anenu. Ah! C'est ça, ma belle. Sérieux. N'est pas sérieuse, vous.
Les filles, vous savez quoi? Le jour que mon prince charmant viendra, oh mon Dieu, soyez-en sûrs que je vous ferai. Arrête! T'es malade. Alors, qu'en est-il de toi? Ok. Je ne sais pas. Hein. La petite cachotière. Parle, qu'est-ce que tu caches? Vous aussi, arrêtez-moi ça. Mais tu es libre. Ok. Avoue que tu l'aimes. Hey! Pourquoi ces filles gâchent toujours mes plans, non? Hein? Pourquoi elles doivent la suivre partout où elle part? Surtout celle avec les gros derrière. Maléfique que vous êtes. Hey, cette fille est jolie, oh. Hey! Regarde sa taille. Tchaï, et où? Et où? Ah, elles sont parties. Ces deux filles verront. Je saurai quoi faire. Pourquoi me déranges-tu? Je ne suis pas prête pour ça maintenant. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ou du pardon, non? Hein, s'il te plaît. Quoi d'autre veux-tu que je te dise? Hein? Ojumwa, je t'aime très très fort. Tu peux même demander ton amie Omaligo. Elle sait combien je parle de toi. Hein? Juste donne-moi une chance de t'aimer, s'il te plaît. Donne-moi une chance de t'éprouver mon amour. Ça pèse beaucoup sur ma tête. Oju, s'il te plaît. Essaye de penser sur ce que je t'ai dit. Oju, je t'aime, hein? Oju, mon amour. Je remercie les dieux de t'avoir trouvé. Moi aussi. Je suis contente de t'avoir. J'aime toutes les secondes qu'on passe ensemble. Et je prie que notre amour puisse durer éternellement. Et j'aimerais te rappeler que tu es tellement précieuse pour moi. J'aimerais te le rappeler. Uchunwa. Je t'aime aussi. Je sais. Regarde-toi. Toi. Toi aussi, toi. Oui, comment il rouge. Mesdames, Akugo, Omaligo, j'aimerais vous dire un grand merci pour tout. Vraiment? Ouais, bien, je dois vous laisser avec elle, ok? Je dois rentrer, mon amour. D'accord. Je t'aime. C'est bon, trop bien. Bye bye. Bye. Ok, bye. Joue-toi. Mm-hmm. C'est pas gentil, mais n'importe où, vite. Oh, viens ou pas? J'arrive. Ouais, je suis là. Mes salutations à vous. Salut. Sûrement, mon frère m'a dit de te remettre ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est très beau. Ouais. Dis-lui que je le verrai après, ok? Merci énormément. Ok, okay, c'est bon.
Bye. Bye. Ah, oh, Olumasi. Oh mon Dieu, c'est très beau, j'aime. Qu'est-ce que c'est? Tu vas bien? Oui, ça va bien. Tu en es sûre? J'ai un pressentiment que ma mère a besoin de moi. On se verra après, bye. D'accord. Je vous aime. Bye bye. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Ça va? Je ne faisais que l'admirer. Allez, c'est bon, on y va. Maman, mais comment je peux faire ça? Tu sais que ce n'est pas possible. Ma fille, tu partiras et tu rentreras. La victoire sera de ton côté. Je n'ai aucun pouvoir. Comment je peux le faire? Comment? Je te donnerai le pouvoir nécessaire dont tu auras besoin. Va l'obtenir pour moi. Ainsi tu deviendras mère des nations. Je veux te fortifier. S'il te plaît, que personne ne sache où tu vas, y compris tes amis. Ne le laisse pas savoir où tu vas aller. Je me suis fait comprendre. Oui, maman. Je t'aime, ma fille. Je t'aime aussi, maman. Papa, voici la tisane. S'il te plaît, il faut juste essayer de boire un peu. Essaie. Papa, t'inquiète, tu te porteras bien, d'accord? Tu te porteras bien. Tu sais, je me battrai fort pour que tu te portes bien. Je suis très convaincu qu'après toutes choses, nous sourions tous. Je t'aime, papa. Moi aussi, je t'aime, mon fils. Étant ton père, je suis très fier de toi. Merci beaucoup, papa. Ça va, repose-toi un peu. Je vais maintenant aller là où tu m'as envoyé. Très bien, mon fils. Je ne vais pas trop tarder, d'accord? Père, tu m'as appelé. Assieds-toi. Mon fils, tu as été pour moi un garçon merveilleux. Tu t'es inquiété vraiment pour moi. Tu m'as soutenu. J'aimerais te donner la bénédiction de Père. Je t'aime beaucoup et je prie que quand tu auras tes enfants, ils vivront aussi longtemps pour
prendre soin de toi de la manière dont tu as pris soin de moi. De ce fait, je te bénis. Je bénis tes enfants. Ici. Je bénis tes petits-enfants. Désolé. Je te bénis. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Voilà. Merci, père. Merci. Tu sais, tu vois, j'ai comme l'impression que d'ici là, je vais rejoindre mes ancêtres. Ne crains rien. Si je meurs, je n'aimerais pas que tu pleures pour moi. Parce que je serai toujours avec toi, d'une quelconque manière, à te protéger et à prendre soin de la famille. Père, j'ai pas compris. Pourquoi tu parles comme ça? Quoi? Il y a un temps pour vivre, et un temps pour mourir, un temps pour dormir, et un temps pour se réveiller. Écoute, mon fils, prends ça. Garde-les jalousement. Ces bijoux que je te donne, lorsque tu seras marié, donne-les à ta femme. C'est très important. C'est n'est pas pour que tu l'utilises, car c'est strictement réservé aux femmes. Tu as compris? J'ai pas compris. Que signifies-tu par c'est destiné uniquement aux femmes? Ces bijoux a plein de potentiel et de pouvoirs qui peuvent aller jusqu'au point de détruire les royaumes. Ne permets pas à n'importe quelle femme de te le ravir. Donne-le uniquement à ta femme. Après le lui avoir donné, elle deviendra la femme la plus puissante que le monde ait jamais connue. Ne laisse pas une autre femme te le ravir. Est-ce que je suis clair? Père, je promets que je ne vais pas laisser une autre femme la voir. Mais papa, je ne suis pas à l'aise avec la direction que prend cette conversation. Tu parles comme si tu es sur le point de me laisser maintenant. Papa, tu ne peux pas mourir. Tu es tout ce que j'ai, papa. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Mon fils, écoute, ne t'inquiète pas. Je serai toujours à tes côtés. Physiquement et spirituellement, en d'autres termes, pour te protéger. Père. Papa, je t'ai apporté l'eau. Papa, lève-toi. Papa. Papa. Papa, non, tu ne peux pas faire ceci, papa. Papa, papa! Père, s'il te plaît, ne fais pas ça. Père! Papa! Père! Père! Papa! Papa!
Aram, alors dis-moi, comment va ton père? Hein? J'espère qu'il va mieux. Écoute, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu venir te voir pendant tout ce temps. Sinon, j'ai été très très occupé. Du genre, sérieusement occupé, mon frère. Hein? Je suis désolé. Ça va, mon ami, j'ai compris. Je comprends que tu as été occupé, ça va. Mon père n'est plus. Hein? Quelle plaisanterie. Hé, hey. Aham, dis-moi que tu plaisantes. Écoute, il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Comment peux-tu plaisanter avec la vie de ton père? Hein? Mais... Je te comprends pas, Okoro. Penses-tu que je m'assirais si plaisanterie avec la mort de mon père? Mon père est décédé hier. J'ai enterré mon père avec mes propres mains. Hé! Hé! Non, non. Ama, es-tu sérieux de ce que tu me dis? Hé! Hey. Seigneur! Écoute, si tu es sérieux de ce que tu viens de me dire, alors tu dois me montrer là où tu as enterré ton père. Je veux voir cet endroit. Oui, je veux le voir. Hé, hey, non, 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 non. Ceci dépasse tout attendement. Mais j'ai vu ton père l'autre fois. D'accord. Si c'est ce qui effacera les fragments de doute dans ton esprit. Ah oui, ça le fera. Je dois voir l'endroit. Mais dis-moi... Oh non, 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 non. Comment cela peut être possible? Hey! 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 Oh! Hey! 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 Oh, no, no! No! Oh, no, no, no! No, 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 no. Hey, 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 hey. Ça va, mon ami, je comprends ce que tu ressens. Crois-moi, ça m'est aussi douloureux. Mais nous devons lui obéir pour la dernière fois. Ne pleure pas. C'est ça l'instruction qu'il m'a donnée. Que personne ne pleure. S'il te plaît, sois un homme. Je sais qu'il était un père pour toi aussi. Et je comprends. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer. Ça va. Lève-toi et partons.
Aham. Aham, Mefuna. Papa. Viens, allons-y. Papa, s'il te plaît, j'arrive. Ah, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur, là? Es-tu une femme qui se maquille? Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y à la ferme. Papa, c'est mon coucou que je cherchais. D'ici là, ce sera le lever du soleil. Papa, papa, je suis fatigué et j'ai aussi faim. Oh, je sais et je comprends. Tu as travaillé toute la journée. Mais ne te dérange pas, il nous reste une ou deux tâches comme ça. Qu'on puisse tout compléter et on pourra rentrer. Ok? Au moins, tu m'as montré que tu n'es pas seulement fort, mais tu es aussi endurant. Tu peux nourrir ta famille. Cultiver les ignames n'est pas facile. Il faut être fort pour le faire. Oh, c'était une réussite. C'est bon. Papa, s'il te plaît, rentrons. Attends, laisse-moi finir ce petit truc ici. Attends un peu là. Tout ce qui reste n'est qu'à lier les ficelles. Hein? C'est ce que tu vas dire. Avant d'en arriver là, sais-tu ce que j'ai fait? Regarde bien ce que j'ai fait. Je devais d'abord les planter et faire en sorte qu'ils soient droits et pour les lier comme ça. Tu dois apprendre ça. Ne t'en fais pas. Tu apprendras. La viande, non. Papa, ça c'est le petit morceau de viande. Tu en as déjà mangé le gros, non? Les vieillards doivent consommer la viande et les jeunes observer. Et tu sais quoi? Il y a du poisson là, tu peux en manger. Laisse la viande au vieil homme, ok?
Papa. Ah, tu es rentré. Ça, c'est bien. Comment ça a été? Très bien, papa. Papa, je vais maintenant aller faire la cuisine pour toi. Je sais que tu aurais faim. Non, te dérange même pas. Laisse-moi te surprendre. J'ai déjà fait la cuisine. Oh oui, qu'est-ce papa, que tu croyais? Que je ne peux pas cuisiner? Papa, es-tu sérieux? Bien sûr. papa, tu verras. J'aurais dû t'enlacer pour ça, mais... Ok, laisse-moi me laver alors. D'accord, père. J'ai tellement chaud. Laisse-moi déplacer un peu ceci. Va manger. Papa, merci. Afam, il ne faut pas avoir peur. Comment vas-tu? Tu m'as fait peur. Je suis désolée. Qui es-tu et comment connais-tu mon nom? Je suis Ojoma, ta future femme. Future femme? Comment c'est possible que je ne t'avais pas rencontré avant? Bien, je suis la personne que ton défunt père avait cherchée. Fais la demande en mariage. Là, nous pourrions construire une très belle famille. Viens-tu de dire que je te demande en mariage? Oui. Je ne comprends pas. Je ne te connais pas et je ne sais d'où tu viens. Et je ne me souviens pas si mon père m'a fait mention de toi. Bien. Peut-être je dois y réfléchir. Ok. Je rentre à la maison. Je te verrai prochainement. Excuse-moi, s'il te plaît. Cette prochaine fois, ce sera où et quand? T'inquiète. C'est une promesse. Prochainement. Ah, mon ami, pourquoi ne pas te marier? Tu sais que tu es le seul enfant et ton père n'est plus. Pourquoi ne pas chercher une demoiselle à épouser afin de commencer par avoir des enfants? Je pense que c'est le bon moment pour toi, Wanné. Personne ne sait l'avenir. Tu sais, je pense qu'il est temps pour que tu agisses,
j'ai souffert. Tu vois, dès le moment où j'ai remarqué que tu me regardais, je savais que tu as une connerie que tu voulais vomir. Je le savais. Penses-tu que le mariage, c'est comme ces relations des enfants, ces jeux de cache-cache que les enfants font? Penses-tu que c'est ça le mariage? Si tu veux te marier, tu dois te préparer et sélectionner. Tu dois choisir une bonne femme. On ne se marie pas n'importe comment. Après avoir choisi, on procède. Toi qui es en train de me prêcher le mariage, dis-moi, n'es-tu pas de mon âge? Combien de femmes tu as? Laisse-moi tranquille. Écoute, ne me compare pas avec toi. Nous ne sommes pas dans la même situation. Hein? Nous ne sommes pas. Mm-hmm. Écoute, tu es le seul enfant de ton père. Nous, nous sommes 4 garçons et une fille. Tous sont mariés sauf moi et ma sœur Odjoumwa. Nous ne sommes pas dans la même situation. Tu ne peux même pas porter mes chaussures. Odjoumwa. Ça fait longtemps. Comment va-t-elle? Odjoumwa va très très bien. Tu sais, elle est ce genre de fille qui aime toujours rester à l'intérieur. Ouais. Très, très réservée. Elle n'aime pas sortir n'importe comment. Ah. Une fille réservée. Hein? Ah, mon gars! Juste que ça fait longtemps que je l'ai vue. Juste salut là de ma part. Je ne manquerai pas du tout. J'ai hâte de lui dire ça. Hey. Ah, mon gars! Allez, prends-moi ça. Voilà. Toi, tu ne veux pas venir picorer maintenant. Reste là. Hein, Odjoumwa, viens. Où vas-tu? Hein? Je pars voir mon ami. S'il te plaît, viens. Viens. Écoute, Odjoumwa, tu connais mon ami, Mifuna? Oui, je le connais. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Mifuna, mon ami, cherche une femme. C'est bien. Je veux que tu l'épouses, afin que vous construisiez ensemble une famille. Écoute, c'est un bon gars. Hein? Mon ami est un gars bon. Frère, pourquoi? Pourquoi tu veux que j'épouse Mifuna, ton ami? Je ne l'aime pas. D'ailleurs, j'ai quelqu'un que j'aime. Avec qui nous planifions nous marier bientôt? Hein? Odjoumwa, qu'est-ce que tu viens de dire? Hein? Tu ferais mieux de fermer ta bouche sale. J'ai quelqu'un que j'aime et nous planifions de nous marier. Tu ferais mieux de ne pas rater cette opportunité. Faut pas rater cette opportunité, hein? Mais tu es une personne sympathique, une bonne personne. Par ailleurs, Odjoumwa, qui est cette personne dont tu es amoureuse? Hein? J'espère que ce n'est pas quelqu'un que je connais. J'espère... Oh, attends. J'espère que ce n'est pas... ce stupide chasseur. Quel est son nom même? Ekene? C'est lui, mon frère. C'est Ekene que je vais épouser. Odjoumwa? Je vais épouser puisque je l'aime. Pourrais-tu la fermer? Odjoumwa? Si je te gifle, hein? Si je te gifle, hein? Tu perdras la conscience. Es-tu stupide? Hein? Écoute, si je vois ce bon à rien d'idiot dans cette maison... Ce que je te ferai. Ou du moins, ce que je te ferai. En tout cas, ça ne se passera pas dans ce village. Tu ferais mieux de te respecter, hein? Tu ferais mieux. Ou du moins, respecte-toi. Mon frère, c'est Ekene que j'aime. C'est Ekene que je vais épouser. Que sais-tu de l'amour? Hein? Qu'est-ce que tu sais de l'amour, ou du moins? Ekene? Qu'est-ce qu'il y a? Qui te poursuit? Qui est derrière toi? Ton frère. Ça veut dire quoi, mon frère? Mon frère, c'est lui qui te poursuit? Ton frère me poursuit. Hein? J'étais venu chez toi.
pour te donner la viande que je t'ai achetée. Hein? Parce que je n'avais pas d'autre viande avec moi, tu vois. Chez moi, à la maison là-bas, il n'y a aucune viande. Donc j'avais décidé de t'apporter ce que j'avais acheté là-bas au marché. Et quand je suis arrivé chez toi, ton frère m'a vu et a commencé à me suivre avec une machette. Il a même récupéré la viande que je t'avais achetée. Ekene, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi mon frère te hait de cette façon. Hein? Mais je crois que un jour, il comprendra. Il va commencer à t'aimer. J'en regrette beaucoup. Pardonne-lui. Il essaie juste de me protéger. Désolée. Tu es désolé, mais là tu me dis que tu es désolé. Mais la prochaine fois qu'il me verra, c'est sûr qu'il me suivra avec un pistolet. Ojoan, tu t'adresses à moi ou à une autre personne? Grand frère. Hein? Sérieusement, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Comment mon ami peut venir me chercher ici à la maison et tu le chasses? Tu as tellement embarrassé ce jeune homme. Ojoan, attends. C'est à cause de cet idiot que tu hausses tes épaules? As-tu perdu la tête ou quoi? Hein? Est-ce que c'est à moi que tu soulèves tes épaules? Attends, écoute. J'ai averti ce jeune homme d'arrêter de te déranger. Mais il n'a pas voulu écouter. Donc, je vais continuer à le déranger jusqu'à ce qu'il m'écoute et te laisser en paix. Hein? Ou dis-moi, ce jeune homme n'est pas bon pour toi. Hein? Un chasseur, un simple chasseur. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il ne peut pas prendre soin de toi. Hein? Mon frère, Ekene chasseur, oui. Je l'aime comme ça. Hein? Est-ce que tu peux juste nous laisser libre? Ok. Où se trouve le poulet qu'il m'a apporté? Quelle poule? Hein? Attends, tu veux dire celle qu'il a volée dans mon poulailler? Hein? Laquelle? Je te le disais depuis, mais tu ne m'écoutes pas. Ce jeune homme vient toujours. Pas étonnant que je cherchais certains de mes poulets ici en vain. Hein? Il continue à disparaître. Donc, il... Ce qu'il fait maintenant est d'utiliser mes poulets pour te faire cadeau d'amour. Hein, Ojoan? Dans cette maison. Ah, Ouata, Migonosi. Agoju Mania. Maintenant, écoute. S'il essaie ça encore, hein. S'il essaie... Il faut l'avertir, hein. Arrêtez de s'amuser avec moi, hein. Cesse de jouer avec moi, avec cet idiot. Qu'il cesse de venir ici voler mes poulets. Écoute, si l'un de mes poulets disparaît encore dans cette maison, hein. Tu verras. Dégage-toi devant moi ici. Je dis, dégage-toi d'ici. Va à l'intérieur. Je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu fais, oh. Donc, malgré tous mes avertissements à l'égard de ce jeune homme, il refuse de se respecter. Il refuse d'écouter
mes avertissements. Au moment où j'en aurai fini avec toi. Au moment où j'en aurai fini avec toi dans ce village. Tu comprendras. T'inquiète. Hé, toi encore. Donc, après tous mes avertissements à ton égard, après tous mes avertissements que je t'ai donné de laisser ma seule sœur en paix, tu refuses de les écouter. Hé, Kenny, laisse-moi te dire. Au moment où j'en aurai fini avec toi, maintenant, hein, ton créateur ne te reconnaîtra plus. Vous ne comprenez pas. Frère, arrête de dire des bêtises. Mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas de mal. Je te promets que je ne le verrai plus. Toi. Ne le fais pas de mal. Je te promets, je ne le verrai plus. Hé, mon ami. À genoux. Je dis à genoux, toi. À genoux, toi, mon ami. Donc, je te parle et tu me regardes en haut, Ekené. Après avoir t'averti de cesser de déranger ma sœur unique, tu refuses de m'écouter. Hein? Mon frère, s'il te plaît, laisse-le partir. Je te promets que ça ne va plus se répéter. Je jure. Non, mais... Est-ce que tu me promets cela? Oui, c'est promis, je ne le verrai plus. Au fait, les jours où tu nous verras encore ensemble, fais tout ce qui te passera en tête. Ojo? Oui, mon frère. Est-ce que tu me promets cela? Oui. Tu l'as entendu? Okene, est-ce que tu as entendu ma sœur? Hein? Si jamais je te vois encore. Si jamais je te vois encore à côté de ma sœur. Allez. Mon frère, tu attends quoi? Je vais te casser la tête, merde. Imbécile. Et toi? Tu attends quoi encore là-bas? Hein? Ou du moins? Tu fais quoi encore ici? Encore cette fille. Qui est cette Ujoma? Et pourquoi elle apparaît toujours dans mes rêves? Qui est cette fille? Ujumwa. Grand frère. Grand frère Efula. Comment tu vas? Je vais bien. Et comment va mon ami, ton frère Okoro? Il va bien. Où vas-tu? Bien, je vais à la maison. Et toi, où est-ce que tu vas? Je suis en train d'aller voir mon ami, Ezine. Ok, Ezine. D'accord, fais-moi cette faveur. Après avoir vu ton ami, et tu rentres, salue de ma part mon ami Okoro. D'accord. Encore une autre chose?
Non, rien. Ok. Ah. Ouais. Passe une bonne journée, hein? Merci. Attends un peu. N'est-ce pas que j'ai entendu mon frère dire que la femme veut m'épouser? Mais il ne le montre même pas dans son attitude. Ok, laisse-moi prétendre comme si je ne l'ai même pas vu. Ojo, es-tu sérieuse? Ma sœur, je t'ai dit la vérité. J'ai dit que je l'ai rencontré hier quand je venais chez toi. Je l'ai salué. Il m'a répondu. Je lui ai demandé, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre? Il a dit, rien. Ah. J'étais juste surprise. Il n'a même pas mentionné ça. Il n'a rien dit à propos. Alors, pourquoi ton frère t'a dit qu'il cherche à t'épouser? Je ne comprends pas, oh. Tel que je suis là, je suis confuse. Ezine. Mon esprit me dit que ton frère veut utiliser Amefune pour te distraire. Comme ça, tu n'auras plus le temps d'aller le voir. C'est ça. Mais attends un peu. Tu as fait un point important. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de planifier. Mais tu vois ses plans, ça ne marchera pas. Ezine, tu sais que tu es ma meilleure amie. Tu m'aimes et je t'aime aussi. Et je sais que tu ne peux me cacher la vérité. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu l'aimes? Qui? Et Kenny, bien sûr. Et Kenny est mon âme sœur. Et Kenny est mon amour. J'aime Et Kenny de tout mon cœur. En fait, si Ekene me demande de l'épouser, maintenant même, je vais accepter avec plaisir. Hey, j'aime mon homme. Ojo, suis ton cœur. Écoute, ne laisse personne te distraire ou te forcer à te marier à un homme que tu n'aimes pas. Ne l'accepte pas. Ojo, sais-tu que le mariage est différent avec l'amitié? Les deux sont différents. Merci beaucoup. C'est pourquoi je t'apprécie. Toi, hein? Tu es vraiment une amie. Pas seulement une amie, mais une meilleure amie. Et tu sais, les jours de mon mariage traditionnel, c'est tout le village qui saura que Ojo, moi, c'est marié. Ojo, je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente. Ce sera terrible, mon ami. Grand frère, j'ai vu Amefula la fois dernière quand j'allais dans la maison de Aisé. Je m'attendais à ce qu'il se prononce par rapport à la proposition de mariage dont tu m'as parlé. Mais il n'a rien dit. Mon frère, je ne sais pas pourquoi tu veux que j'épouse Amefula. Ou encore pourquoi tu m'as dit que Amefula veut m'épouser. Pendant qu'il ne se prononce pas dans ce sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Es-tu à Amefuna? Hein, Ojuwa? Attends. Tu attends de lui qu'il te dise que... Hein, Ojuwa, je t'aime, je vais t'épouser. Ah, non, non. Hein? Écoute, tu devrais savoir mieux que ça. Tu devrais savoir mieux que ça. Hein? Écoute. Il va tout d'abord t'étudier, hein? Pour savoir quel type de personne tu es. Ton caractère. Avant qu'il ne dise autre chose. Écoute, Ojuwa. C'est une question d'étape par étape. Un processus graduel et il arrivera à ce point. Hein? Donc, relâche-toi. Mon frère. Hein? Mon frère, s'il te plaît. Je t'en prie. Mon frère, laisse-moi suivre mon cœur. S'il te plaît. Et qui est ton cœur en question? Hein? Mon frère. C'est Ekene. Hein? Mon frère, j'aime Ekene énormément. Mon frère Ekene est tout pour moi. Il est mon cœur.
S'il te plaît, laisse-moi épouser Ekene. Je te supplie. Ojungwa. Ojungwa. Maintenant, écoute. Ojungwa, qu'aujourd'hui soit ton premier et ton dernier jour. Que tu me mentionnes le nom de ce stupide bon en rien de chasseur. Hein? Ojungwa, arrête, hein? Donc, tu n'as plus de respect pour moi dans ta vie. Hein? Hein, Ojungwa? Hey! Hey, Seigneur Jésus. J'ai souffert dans ta main, Ojungwa. Tu n'as plus de respect pour moi. Tu n'as plus aucun respect pour moi. N'est-ce pas? Ojungwa, si tu essaies ça encore, hein? Maintenant, dégage-toi d'ici. Dégage-toi d'ici, je dis. Mon frère, j'aime Ekene, c'est lui que je vais épouser. Regarde-moi ça. Et moi, j'aime Ekene. Une fille stupide. Que je t'écoute encore mentionner ce stupide nom ici. Hein? On te présente un homme de valeur, tu me dis des bêtises. Idiote. Une imbécile. Hey, qu'est-ce que tu en sais de l'amour? Il faut rater cette opportunité. Tu verras ce que je te ferai. Idiote. Hey, c'est lui que j'aime. Tu aimes qui? Grand frère aimé Fula, je veux te demander quelque chose. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Mais qu'y a-t-il? Demande pourquoi serais-je fâché. Ok. Mon frère m'a dit que tu m'aimes et tu veux m'épouser. Est-ce vrai? Attends, c'est ce que ton frère t'a dit? Oui, mais mon ami ici est au courant de ça. Il me fait tellement pression. Je ne suis plus confortable avec ça. Je ne m'en suis pas encore décidé. J'ai préféré te demander en premier. Bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La dernière fois que lui et moi avions parlé de toi était quand je lui avais demandé comment tu te portais. Et il m'a dit que tu allais bien. Et je lui ai juste demandé de te saluer. Toute notre discussion n'a tourné qu'autour de tes bonnes manières. Je n'ai fait mention ni de mariage, ni d'amour. Ok? Ok. Pas de problème. La raison pour laquelle je voulais te demander, c'est parce que je suis en relation avec quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas les trahir pour qui que ce soit. Nous ne planifions déjà à nous marier. Vous savez, c'est toujours important que quelqu'un puisse s'exprimer lui-même. C'est pourquoi je suis venue te le demander. D'accord, bien sûr, bien sûr. Et j'apprécie le fait que tu t'es ouverte à moi concernant ceci. Tu as compris? Je ne me sens pas mal, ça va. Peut-être ton frère a mal compris notre discussion. Hmm? Ok. Ça va. Pas de problème. Je m'en vais. Pas de problème. Bye bye. Merci, bye bye. Prends soin de toi, hein? Je l'ai dit. J'ai dit qu'Okoro est un idiot. Qu'il envoie avec ce stupide message. Moi? L'amour, mariage. C'est le tonnerre qui... Ça va. Ezine, tu vois, tu étais la témoin, tu as entendu et vu tout ce qu'il a dit. Ma chère, je suis très ravie du fait que tu lui as dit la vérité concernant ton petit ami. S'il te plaît, suis ton cœur. Tu me comprends? Je t'ai remercié parce que tu lui as dit que tu ne l'aimes pas. Tu me comprends? S'il te plaît, ne te dérange plus de quoi que ce soit. Le mariage... On ne le fait pas par force. Suis ton cœur. Tu m'as entendu? Merci, mon ami. C'est ça exactement que je vais faire. Tu es la meilleure. On y va. Okoro. Hein? Pourquoi tu essaies de... poser ta sœur sur moi. Hein? Comment? Écoute, je ne te comprends pas. Arrête ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu cries et chantes à ta sœur qu'elle me plaît et moi je veux l'épouser.
Encore, quand est-ce que toi et moi sommes assis et avons eu cette conversation? Ah, je pensais que ce jour où tu as demandé d'après elle. Je croyais que tu l'aimais, hein? Et comme tu disais que tu cherches une femme, hein? Tu sais, en tant que mon gars, je pensais que ça serait mieux. Hein? Tu sais ça, non? En tant que mon ami. Mon problème avec toi est le fait que tu penses toujours gauche. Toi, tu ne fais que penser gauche. Penser n'importe comment. Est-ce que je t'ai envoyé? Okoro, ta sœur est amoureuse d'un autre homme. Elle a quelqu'un qui lui plaît. On va la faire sortir de cette relation. N'essaie de pousser personne à perdre l'amour. Si ta sœur perd de l'amour avec la personne qu'elle aime vraiment et tombe amoureuse de moi, ne sais-tu pas que c'est un problème? Oh, oh, je vois. Écoute-moi, si tu continues comme ça, deux choses vont se passer. Premièrement, notre amitié sera rompue. J'aurai une crise cardiaque et puis je mourrai. Rien ne te tuera, tu ne mourras pas. Non, plein que j'ai une crise cardiaque, c'est pourquoi tu dis ça. Okoro, laisse ta sœur, ok? Laisse-la épouser l'homme qu'elle aime, c'est le sort qui décide. À moins que tu ne veux pas qu'on soit toujours ensemble. Sinon, tu vas me tuer avec tes pensées gauches. J'ai du cerveau pour réfléchir moi-même. Je suis mort. Serpent. Serpent. Hey, au secours. Hey, serpent, serpent. Oh. Hey. Hey. Au secours. Hey, au secours, au secours, au secours. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, 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 au secours, au secours. Hey, 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 oh, hey, hey, ah, hey. Mon pied, oh, au secours, oh, au secours, Kenneth, merci que tu sois là. Que se passe-t-il? Dieu merci que tu sois là, oh, oui. Kenneth, c'est le serpent qui m'a mordu. Serpent? Oui, oui, oui. Aide-moi. Hey, désolé. Oh, hey, hey, je vais mourir. Hein? Hey, mon désolé. Pied, hey, Kenneth. Tu veux que je t'aide, moi? Oui, oui, ah. Oui, s'il te plaît. Hey. Mon pied, oh! Tu vois? Hey, mon pied, tu mon pied, oh! Tu as déjà eu besoin d'aide, toi? Mon pied, hein? Oh! Est-ce que tu as déjà eu besoin d'aide, toi, Okoro? Dis-le-moi! Hey. Et tu veux que je t'aide? Mon pied, oh! Aujourd'hui, mon pied, là, oh! Tu vas comprendre ta méchanceté. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît. Okoro? Aide-moi. Tu vas comprendre ce que ça fait d'être méchant vers tout le monde. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Hey. Et tu veux que moi je t'aide? Aide-moi. 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 Tu sais que je suis ton frère, Okoro. Je suis ton frère. Tel que je te parle là, je dois aller checker mes pièges. Hein? Je vais les checker. Je vais voir si je peux attraper des gros rats. Hein? Peut-être que mes pièges ont pu attraper des gros rats. Donc là, je vais les checker. Hein? Je reviens. Hein? Mon pied. Oh.
Non. Je dois retourner pour aller l'aider. Ce n'est pas du tout bien de rendre le mal pour le mal. Au moins, ça sera une façon de lui apprendre à être gentil avec tout le monde. Oui. Je dois retourner là-bas. Okoro,